Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Monday Night Raw. Et ils arrivent de New Day, enfin représentant le New Day. Hein. Il manque évidemment Big E, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu l'intro avec Big E, mais croyez-moi qu'ils arriveront avec Big E. Big E fera son intro, en tout cas, Kofi Kingston sera celui qui commencera la soirée dans un combat, dans un Beat the Clock Challenge, évidemment, à battre 9 minutes 21, on l'a vu la semaine dernière, Bray Wyatt a remporté, alors mon chat saute partout, a battu le temps de Roman Reigns, il a effectué 9 minutes 21, c'était à moins de 10 secondes près du coup, et ce soir c'est la dernière soirée, plus que 2 Beat the Clock Challenge match, et Kofi Kingston aimerait bien finalement... avoir une chance pour aller affronter Seth Rollins, sachant que New Day a un match pour le titre tag team, donc ça pourrait être Xavier Woods et Big E qui font le nécessaire de l'autre côté, donc c'est pour ça, mais il va falloir faire fort en termes de beat the clock, parce que 9 minutes 21 pour battre, vous l'aurez compris, pour battre Randy Orton, c'est très très court. The Legend Killer, the Apex Predator, Randy Orton, qui arrive bien déterminé, lui par contre, à aller au Royal Rumble et déglinguer Seth Rollins, c'est le cas de le dire, comme il l'avait fait à WrestleMania. On est peut-être à un RKO d'un face-à-face magnifique au Royal Rumble, ou alors un Trouble in Paradise, qui sait. En tout cas, Randy Orton, très très motivé. 9 minutes 21 hein, à battre. Ça va être difficile des deux côtés, que ce soit pour battre Randy Orton ou pour battre Kofi Kingston, notamment parce qu'il y a Xavier Woods aux abords du ring et on sait que le New Day est très 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 soudé. Donc, hein, il va falloir être à l'affût. En tout cas, Randy Orton qui est prêt. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. En vrai, il est blessé, toujours blessé, et ça a l'air d'être un petit peu rallongé, donc c'est dommage. En même temps, vu ce que la WWE faisait avec lui. Randy Orton. Allez, on va être parti pour ce Beat the Clock Challenge match. 9 minutes 21 secondes à battre. Mais on finira le match quand même s'il ne s'est pas battu. Je vais me préparer. Attention. Voilà, on est parti. Kofi Kingston, Randy Orton. Ça rime. On est passé derrière, mais Randy Orton qui revient justement derrière Kofi Kingston et qui met Kingston au sol. Le New Day en perdition, mais Kingston qui se relève presque automatiquement. Enfin, c'est bien, c'est qu'on voit le... Ça va très vite. Randy Orton au sol, prise de tête. Oh là là là, ce match qui part presque sur le chapeau de roue, on va dire. Prise de tête encore. Kofi, il va falloir qu'il s'en sorte. Ouais, on commence à serrer évidemment pour empêcher Kofi de prendre toute décision, mais on envoie Randy Orton dans les cordes. Il est renvoyé, attention, par en dessous. Kofi, magnifique. Allez, Randy Orton qui est un petit peu outré là de cet agissement. Attention, Kofi Kingston, le tomber. 1, 2, oh, c'était pas loin. Ouh là 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 là, c'était pas loin. La droite sur Randy Orton. Il a complètement contré, esquivé même, dirais-je, Kofi, qui met Randy Orton au sol. Et la droite! Attention. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se relève? Il se relève comme ça. Et le coup de genou sur Randy Orton. Ouh là 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 là. Cette violence. Attention, la planchette japonaise. Allez, il faut se dépêcher. Et bon, c'était dans les cordes, donc rien à foutre. Prise de là, on fait une espèce de torsion du bras. Mais Randy Orton se relève presque automatiquement. Oh, la droite dans l'abdomen de Kofi Kingston. Attention, Randy qui envoie Kofi à l'extérieur du ring. Oula, attention, s'il y va aussi, ça peut aller très vite. Hein, le danger est beaucoup plus présent à l'extérieur du ring. Et on renvoie Kofi contre le ring. C'est cadeau. Alors qu'on est à moins de 7 minutes 30. Et en... Ouf, dans les escaliers, Kofi Kingston. Randy Orton, qui n'est pas un fan du New Day. Bon, attends, je suis là, pris des escaliers. Qu'est-ce qu'il fait? Avec Kofi Kingston qui se cache derrière Xavier Woods. Ça y est, il est rentré dans le ring.
Oh, attention, Randy Orton qui est rentré. Oula, Kofi Kingston avait pris de l'élan, mais ça n'a pas du tout marché. Alors que Randy Orton continue son travail. Et le reverse DDT sur Kofi Kingston. Ouh, coup de pied. Randy Orton, va falloir se dépêcher. Que fait Randy Orton? Droite sur pas sur l'abdomen, mais sur le dos. Et on enchaîne ensuite avec des coups de pied. Et Kofi Kingston, j'adore les réactions de, pas de Kofi Kingston, mais de Xavier Woods. Et le coup de genou magnifique de la part de Kofi, justement. Attention de l'autre côté du ring. Springboard. La crossbody. Et Kofi qui remonte encore une fois sur cette troisième corde. Alors que Randy Orton est encore au sol. Oh, la descente de la cuisse. Et le tombé maintenant. Le tombé à... Il s'en est relevé. Il s'en est relevé. Attention Kofi. Oh, le dropkick sur la tête là, presque. Et regardez. Sorte de camel clutch, mais avec le genou directement sur les hanches. Et cognant de tête. C'est pas très gentil tout ça. À moins de 6 minutes maintenant, on envoie Kofi de l'autre côté des cordes. Attention, Randy Orton, shoulder block qui éjecte Kofi une nouvelle fois à l'extérieur du ring. On relève le membre du New Day. Droite, encore une droite. Coup de pied. Oh, la manchette s'est esquivée. Dropkick. Alors qu'il y a les escaliers juste là. Il y en a trois toujours. On va en renvoyer Randy Orton. Attention, Kofi qui met les escaliers dans le ring. C'est pas bien tout ça. C'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, fallait pas monter là. Oui, il s'est fait attraper par Randy Orton. C'est même pas ce que je voulais faire, hein, je précise. Oh là, oh là. Attention, il y a des escaliers juste derrière. Attention, Randy Orton qui est sur le troisième corde avec Kofi Kingston. La super punch. Oh, presque sur les escaliers. Dommage, il n'y a pas eu l'animation. Un public qui scande RKO alors qu'il enchaîne avec un backbreaker old school. Et le tombé alors que l'arbitre a été un petit peu... Oula, 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 le... Ouh, c'était pas loin, j'ai failli me fail, hein. Ça aurait pu se finir là-dessus, superplex backbreaker, mais ça ne s'est pas terminé. Attention, Randy Orton, il est prêt à placer son RKO. Trois lettres, attention. En chaos, c'est esquivé par Kofi Kingston, Trouble in Paradise. Oh, bien joué de la part de Kofi. Elle a le tombé. Alors que l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Que fait l'arbitre ici? Il a enlevé les escaliers, le tombé 1, 2, il a perdu du temps. Et du coup, Randy Orton, on a profité pour récupérer ce Trouble in Paradise juste après avoir esquivé le RKO. Était tellement, tellement bien joué. Randy Orton qui se relève difficilement, mine de rien. Et on l'envoie justement près de Xavier Woods. Attention, comment il a sauté comme ça. Et la manchette à l'européenne. Kofi. Coup de genou. On relève Randy Orton. On est à moins de 4 minutes maintenant. Randy Orton qui envoie Kofi Kingston de l'autre côté des cordes. Attention, Randy Orton. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il met Kofi entre la troisième et la deuxième corde. Il l'amène. Attention, neckbreaker. Ouh. Ce neckbreaker qui détruit la nuque de Kofi Kingston. Et le tomber maintenant. Le tomber, non, non, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour vaincre Kofi. Ouf, coup de pied dans le dos. Pour l'instant, c'est toujours Bray Wyatt qui ira affronter Seth Rollins au Royal Rumble. Quel affrontement d'ailleurs. Attention à la descente de genou sur la tête de Kofi Kingston. Orton qui relève. Tu relèves Kofi. On envoie justement dans les cordes. Le Spinebuster. Magnifiquement exécuté. Oh, le coup de pied. Allez, regardez. On attend la voix du public. Et on envoie Randy dans le coin. Il reste moins de 3 minutes. Attention, coup de genou. Randy est mis au sol. Alors que Kofi Kingston remonte une nouvelle fois sur cette troisième corde. Kofi Kingston, la descente de la cuisse une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Et on attend la voix du public, mais je crois que tu peux toujours attendre, à mon avis. Et le coup de pied sur le dos. Allez, Kofi qui reprend de l'assurance là. Kofi qui prend de l'assurance. Attention, Randy Orton s'est relevé. J'attendais à avoir le coup spécial, mais. Randy Orton, ouf! Argentine Slam! Et le tomber maintenant sur Kofi. Le tomber 1. Oh, il s'en est relevé.
On est à 2 minutes presque. Alors que Randy Orton, coup de coude sur Kofi. Et le coup de pied. Attention, et la descente du coude ou d'avant-bras, on ne sait pas trop. On relève justement Kofi. Randy Orton. Oh, attention, Randy Orton, il est parti. Randy Orton, Kofi sur les corps. Randy Orton, le spike. DDT. Oh, et maintenant, on sait ce que ça veut dire. Juste après, il reste 1 minute 30. Alors que Randy Orton qui s'y fait coup de pied sur Kofi Kingston. Randy Orton. Que fait Randy Orton? Randy Orton. Oula. Oula, oula. Attention, il veut punir Kofi. Coup de pied dans l'abdomen. 1 minute 15 pour les deux hommes. Randy. Randy! En KO! En KO sur Kofi. Le tomber à 2. Oh, et regardez! Xavier Woods qui a complètement enlevé l'arbitre. Oh, bien joué. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Xavier Woods. Je ne me rappelais plus que Liam, c'est ça, et le backbreaker. Je pense que le match était terminé là. Le KO qui fait saigner Kofi Kingston. Il reste 40, 50 secondes. Et regardez Kofi. Kofi qui joue le New Day. Le New Day qui joue avec Randy Orton. Allez, je peux plus courir. Je peux plus courir. On est à 2. Bien joué de la part, il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes, allez Randy. Faut revenir, faut revenir. Et Randy qui aurait pu l'emporter hein, ce match, mais... Oula, attention, il est renvoyé notre ami Kofi Kingston. Randy qui veut se venger probablement. Regardez, on va contre le coin là. Et coup d'avant-bras dans le dos, 10 secondes. Ça va être dur, hein, ça va être difficile pour Randy Orton. Ça va être très difficile. Kofi sur la troisième corde et à cause de Xavier Woods. Randy. Oh, et un super back suplex. Randy Orton ne finira pas face à Seth Rollins. Coup de pied, regardez-moi ça. Coup de pied là. Ce hors KO était très bien placé, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Attention. Coup de botte sur Randy Orton. Alors que Kofi Kingston qui met Randy dans le coin. Kofi, la planchette japonaise. Attention, Springboard Crossbody. Excellent. Ce match continuera de toute façon. Attention, Randy Orton surlevé. Énervé, coup de la corde à linge de Randy Orton. Encore un coup de la corde à linge. Attention, et c'est esquivé. Le Power Slam. Là, il faut se venger. Parce que Xavier Woods a complètement volé, je pense, le match de Randy Orton. Le backbreaker, là, c'est la vengeance. C'est clairement la vengeance. Et le tombé maintenant sur Kofi, le tombé 1. Ouais, Kofi qui se relève hein, du backbreaker. Kofi, il en veut. Kofi en veut. Attention, le dropkick. Dropkick sur Randy Orton. Alors que Kofi, il est prêt à placer pour la deuxième fois de ce match le Trouble in Paradise. Ça pique. Trouble in Paradise. Et on fait le tomber. Et il est dans les cordes. Il était dans les cordes, c'est dommage. Dommage pour Kofi Kingston. Et il en demande plus, Kofi. Kofi qui en demande plus. Kofi, Atemi. Et le dropkick sur Randy Orton. On prend l'élan, Clothesline. Attention, Kofi Kingston qui continue. Kofi qui prend l'élan. Et le boom, boom, boom drop. Ça pique. Ça pique, ça pique. On relève Randy Orton. Ouais, attention, Randy Orton qui a envoyé directement Kofi Kingston de l'autre côté des cordes. Bravo, j'avais oublié ça. Randy Orton, ah, il veut punir Kofi Kingston. Attention, le DDT sur le côté du ring. Vraiment détruire Kofi Kingston. Attention, Randy. Et l'Atemi qui sèche Kofi. Coup de pied. Et on relève ce dernier. On est à 3. Et regardez encore une fois avec un Kofi sanglant. Et coup de pied. Ah, c'était pas loin tout à l'heure avec le RKO, mais ouais, coup de genou dans le bas du dos. Mais Xavier Woods a tellement bien agi. Regardez-moi ça, Kofi Kingston qui se fait punir par Randy Orton.
Mais le match continue évidemment. Hein. Nous aurons un tout dernier Beat the Clock Challenge dans le main event, je le précise. Wow! Qu'est-ce qu'il a fait Randy Orton? Il est fou! Ah, il tente des trucs, Randy Orton. Il tente des trucs. Ah, les deux hommes sont complètement détruits. Et ce match qui n'a que pour but de punir l'autre maintenant. Randy Orton qui a fait un crossbody de la troisième corde à l'extérieur du ring. C'était, c'est vrai que c'est pas souvent de la part de Randy Orton, surtout des très dangereux comme ça, des mouvements. Et la back suplex sur Kofi. Randy Orton qui revient dans le ring. Randy Orton qui demande à Kofi de revenir. On est à 7. Kofi, regardez, Kofi ne bouge plus. Attention, Kofi. Ah, Kofi revient. Kofi revient. Oh, il a contré, attention, magnifique. Et le tombé sur Randy Orton. Le tombé qui pourrait surprendre plus d'un, deux. Ah non, il s'en est relevé. Mais c'était pas loin, c'était pas loin du tout. Oh, la droite, j'étais parti pour le finisher, c'est pas du tout bien passé. Randy Orton, T-Bone, suplex. Ah, et Kofi Kingston, qui préfère, qui aimerait mieux s'en aller, je crois. Le membre du New Day. Le membre du New Day qui en a marre de ce match. Attention, Randy Orton, attention. Ouais, Kofi Kingston veut s'en aller. Kofi Kingston veut s'en aller. Alors que Randy Orton le suit. Randy Orton le suit. Attention, Randy Orton qui envoie Kofi plus vers le ring. Kofi qui a chuté. Oh, attention, Kofi Kingston. Trouble in Paradise à l'extérieur du ring. Oh, il pourrait gagner comme ça. Il pourrait gagner comme ça par un décompte à l'extérieur. Ce serait beau. On est à 7. Allez, Randy Orton qui s'enlève. Qui s'enlève encore. Non, ça va être trop tard pour Randy Orton. Ça va être trop tard pour Randy Orton. On est à 9. On est à 9. Randy Orton qui court pour sa vie. Oh, il est rentré in extremis, mais what the fuck. Et la manchette sur Kofi Kingston. Qu'est-ce que c'est que ce match? La droite sur Kofi. Attention, le backbreaker. Randy Orton qui veut clairement se venger là. On n'a pas d'autre but. C'est clair. Ouais, le tombé sur Kofi maintenant. Le tombé, non, pas sur un backbreaker. Kofi qui a voulu se barrer. Kofi qui rendit aller à sa rencontre. Il s'est pris un Trouble in Paradise. Il a réussi à revenir à temps. Attention, coup de pied. Et le DDT sur Kofi. Randy Orton qui patiente. Oh, Randy Orton. Oh, le punt kick. Oh, le punt kick sur Kofi Kingston. Punt kick. Et là, je pense que Kofi, c'est fini. Kofi... C'est terminé pour Kofi. Ouais, Xavier Woods encore, qui se mêle du match. Attention, ah, le jawbreaker sur Kofi Kingston. Il vient de se prendre un punt kick. Là, pour le coup, c'est pas trop réaliste. Kofi qui est complètement KO. Droite dans le dos. Encore cette punition. Ouf. Attention, Kofi qui essaie de revenir. Kofi qui revient, des kicks, et le spin et nail kick. Attention. Ouais, non, c'est lui qui est renvoyé dans le coin. Curtin qui met Kofi sur la troisième corde. Oh, et le coup de pied. Coup de pied sur Curtin, Kofi Kingston. Oh, le crossbody de ouf. Et Kofi qui enchaîne. Kofi, boom, boom, boom drop. Et là, Kofi, il a complètement l'ouverture face à Randy Orton. Xavier Woods lui l'a sauvé tellement de fois. Kofi face à Randy Orton. Trouble in Paradise. Et là, je pense que c'est terminé. Il n'y a pas d'autre sortie. Je pense que c'est terminé. Le tombé maintenant. Le tombé 1, 2... Et 3 victoires de Kofi Kingston. Très beau match. Et comme je vous l'ai dit, hein, le New Day est clairement soudé. Au passage, pour ceux qui ne trouveraient, par exemple, pas forcément réaliste de voir Kofi Kingston battre Randy Orton. C'est déjà arrivé, hein, clean plusieurs fois. Et d'ailleurs, on n'a pas eu de suite à ça. Genre, quand Randy Orton était le champion de la WWE, il a été battu deux fois par Kofi Kingston sur plusieurs périodes. En 2009 et en 2014, je crois. Ou 2013.
Et rien du tout, hein. Kofi a battu le champion clean, mais pas une match, donc c'est dommage. Enfin, en tout cas, pour la deuxième fois, pour la plus récente fois. Mais c'est déjà arrivé, c'est pour ça que je préférais juste... voilà. Regardez ce backbreaker. Quel match, en tout cas. On a failli voir un Randy Orton aller face à Seth Rollins, mais il y avait Xavier Woods qui l'en a empêché. Dommage, on va pas voir le RKO qui a permis tout ça. Un deuxième backbreaker, je vais pas leur montrer. Là, le dernier, Trouble in Paradise, qui a vaincu le seul et l'unique Apex Predator, Randy Orton, qui s'en est pris 3 ou 4, je sais plus. C'est un beau match, il a fait décompter l'extérieur, mais finalement non. The New Day l'emporte sur ce coup-là. Bravo, Kofi Kingston, et on continue, c'est parti. Et voilà le prochain match de ce soir. Tamina, accompagnée de Naomi, face à Charlotte, qui est toujours accompagnée évidemment de Becky Lynch. Charlotte, la championne des divas, qui défendra son titre ce dimanche au Royal Rumble, face à nul autre que Sasha Banks, évidemment, The Boss, qui a réussi à se qualifier justement en combattant Becky Lynch d'un côté. Et de l'autre côté, il y avait Bribella. C'était la petite info du jour. Maintenant, j'attends que le chargement se grouille un petit peu. Ah, évidemment. Quand il veut. En tout cas, Charlotte, oui, toujours championne des divas. J'hésite à mettre le titre des femmes, d'ailleurs, au passage. Alors, on va d'abord accueillir la première. Évidemment. J'aurais peut-être dû mettre Sasha Banks plutôt avec Tamina, vu qu'elle affronte Charlotte ce dimanche. Je suis un petit peu con. Mais c'est pas grave. Team Bad, Naomi avec Tamina, qui arrive dans le ring. Pourquoi elles ont une entrée par équipe plutôt que par manager, j'en sais rien. Il va falloir que je détruise l'équipe, en fait, parce que c'est rare que... Enfin, ouais, remarque, non. Quand elles arrivent en équipe. Enfin, bref. Team Bad, Tamina qui va combattre ce soir face à Charlotte. Gros match. Et on va accueillir justement la championne des divas de la WWE. C'est nul autre que The Nature Girl, si je puis dire. Charlotte, évidemment. Les divas champion. Ça va être un gros match, hein, ce dimanche. Charlotte face à Sasha Banks, c'est déjà arrivé à NXT. Et c'était un gros match. D'ailleurs, Sasha Banks a capturé le titre de championne NXT face à Charlotte dans un excellent match qui a permis à Sasha Banks de devenir justement championne pendant un petit moment jusqu'à perdre le titre face à Bayley. Mais c'était excellent, honnêtement. Ce match là, si vous avez moyen de le voir, c'est autre chose, hein. C'est vraiment une vraie division de femmes à NXT. C'est ça qui est excellent. En tout cas, Charlotte ce soir qui a démontré ses talents de championne. Et oui, j'aurais dû mettre Sasha Banks avec Tamina, mais tant pis. Attention, Tamina, Tamina, Charlotte n'a pas vu, Tamina, oh, dropkick, ouais, la ceinture est tombée, quoi. Ah, et bien vu de la part de Charlotte, qui s'est extirpée, et regardez, réconfort par Becky. Ah oui, non, mais Tamina, elle est comme ça, hein. Qu'est-ce qu'elle s'est fait frapper. Elle attendait Tamina, oui, là, j'étais en provoque. Attention, elle a directement chopé Charlotte, qui met Tamina au sol. Et la descente du genou directement sur la protection du genou de Tamina, qui a eu un problème à ce genou-là, le genou gauche. C'est vrai que c'est risqué pour Tamina, un match face à Charlotte. Ouf! Big boot, directement. Et on enchaîne avec le tombé, carrément. Le tombé 1, non, ça ne suffira pas. Charlotte s'est fait attaquer par Tamina, et Tamina qui n'a même pas touché Charlotte, là, pour le coup. Attention, ciseaux de tête et des coups de coude sur la face de Tamina. Naomi qui essaie de supporter Tamina tant bien que mal. Tamina qui se relève maintenant. Ouh, coup d'avant-bras. Attention. Et le backbreaker. Il faut de la puissance pour soulever Tamina. Attention. Magnifique. Arm drag de la part de Tamina. Et qui remet Charlotte au sol.
Attention, Charlotte qui a remis Tamino. Savez Charlotte, hein, c'est spécial. Elle est extrêmement, extrêmement puissante, extrêmement rapide, extrêmement technique. Elle est vraiment, vraiment excellente. Attention, Butterfly. Ouf, slam, excellent. Presque un glam slam, tellement. Ça nous a rappelé les beaux jours avec The Glamazon, Beth Phoenix. Dommage, on la voit plus. Et Naomi qui en profite. Naomi. Ou la droite sur Charlotte qui arrive dans le coin. Et du coup, Tamina, le Snake Eyes sur Charlotte. Tamina sur la deuxième corde. Ouh, c'est complètement foiré. Charlotte s'était extirpée. Attention, T-Bone Suplex. Ah non, mais elle est clairement championne des divas. Actuellement, là, c'est on voit vraiment le potentiel, le public qui se tait. C'est quoi ces bugs de jeu? C'est de la merde. Encore T-Bone Suplex. Ouh, Tamina qui souffre. Tamina qui souffre. Et le tombé sur Tamina. Le tombé 1. Non, elle s'en est relevée. Mais on sent qu'elle a souffert là, avec ses deux. Oh, magnifique. C'était presque une natural selection. Hein, presque. Évidemment, Naomi qui en profite aussi. Attention. Qu'est-ce qu'elle fait, Tamina? Ouh, la manchette sur la nuque de Charlotte. Heureusement qu'il y a Naomi, je pense. Parce que Charlotte était très très bien partie. Tamina, le double accent down. Et regardez-moi ça, on détruit la nuque. Je pense que le job de ce soir pour Tamina et Naomi, c'est de détruire le plus possible Charlotte, à mon avis, c'est ça. On en voit, ouais, c'est Tamina qui se fait contrer. Et attention, la corde à linge sur Tamina. On relève justement cette dernière, la fille de Jimmy Superfly Snuka, Spinebuster de Charlotte, qui démontre tout son talent. Et le tomber maintenant, alors que Naomi empêche l'arbitre de faire un décompte propre. Oh. Coude et la Temi sur Charlotte et la droite. Tamina qui met Charlotte sur la troisième corde. Encore une droite, attention, elle s'est faite repousser. Charlotte. Ouh, crossbody, excellent. Crossbody, Charlotte et le coup de pied sur la nuke de la Miss Tamina Snuka. Qu'est-ce qu'elle fait, Charlotte? Va-t-elle faire le figure 4 ou figure 8 pour elle? Et non, elle s'attaque justement au genou. Ouf. Où il y a la protection du genou, hein, le knee brace. On relève Tamina. Attention. Tamina qui a complètement esquivé cette dernière. Qu'est-ce qu'elle fait? Attention. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, le tombé. Queen Suplex 2. Non. Elle a ramené une chaise. La Miss Naomi. Ah, c'est dommage. Oh, attention! Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, elle a fait lâcher la chaise à Tamina. Je pense que, heureusement d'ailleurs. Et Tamina qui est éjectée à l'extérieur du ring. Et Charlotte qui arrive maintenant à l'extérieur. Oh, Jawbreaker, ça pique. Ça pique. Attention, on envoie Charlotte! Ouf! Contre les barricades. Regardez les droites. Les droites de Tamina, tellement puissante. Et on attaque Charlotte. On emmène Charlotte contre le poteau. Je vais l'emmener dans le ring, c'est pas grave. Et la face, la première contre le poteau. Ouh là 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 là. Attention. Tamina qui a pris la chaise. Allez, Naomi. Naomi. Non, oula. L'arbitre qui veut vraiment... Je voulais attaquer l'arbitre, mais tant pis, c'est pas grave. Et Tamina en profite. Tamina profite de la... Oh, attention. Oh, magnifique, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est esquivé! C'est esquivé! Le DDT! Ah, j'avais jamais vu ce contre. Oh, le spear! Juste derrière. Ce spear qui a complètement séché Tamina Snuka. Et le tombé 1, 2... Ouh, et Tamina qui se relève, mais... Oh, ce spear! Ce DDT aussi, d'ailleurs, au passage, attention, des coups de tête sur... Des coups de coude, pardon, sur Tamina. Excusez-moi. Allez, coup de pied encore. Oh, Charlotte, qui attend que Tamina se relève. Charlotte, coup de pied. On sait ce que ça veut dire. Natural Selection. Et là, Tamina est KO, mais Naomi en profite. Naomi en profite. Encore une fois, elle empêche la victoire
sur... Oh, attention, super kick. Super kick sur Charlotte. Super kick et Tamina. Tamina qui va enchaîner maintenant. Tamina, il faut qu'elle profite de cette fenêtre. Le super kick. Oh, attention, super fly splash. Et là, je pense que c'est terminé pour Charlotte. Le tombé 1, 2... Ouh, elle s'en est relevée, c'est pas possible. C'est pas possible. Charlotte, complètement puissante là. Pour le coup, c'est clair que... Bon, voilà. Oh, le jawbreaker, Charlotte qui a complètement contré Tamina Snuka, coup de pied. Encore une fois, encore un, c'est pas possible. Encore un, et natural selection. Oh, Charlotte, elle en a pas fini. Qu'est-ce qu'elle fait de Nature Girl? Ouais, relève Tamina Snuka. Attention Charlotte, coup la cœur d'un linge. Encore un coup la cœur d'un linge. Tamina, ouais, c'est esquivé. Super kick, vengeance. On relève la miss Tamina. Attention, encore un spear, mais bordel. Et le tombé, 1, 2 et 3 victoires de la part de Charlotte qui a fini avec encore un spear. Même si elle avait mis son deuxième natural selection, la championne confirme son règne. Ouais, les deux T-bone souplex hein, qui ont fait du mal à Tamina. J'aimerais bien avoir le super kick de Tamina dans la face de Charlotte. Et là, le coup, la cœur d'un linge qui a séché la miss. Là, on s'attaquait à la jambe de Tamina. Et ensuite, que s'était-il passé? Quel match, en tout cas, hein, quel match. Ah oui, là, c'était une esquive avec la queen suplex, je crois. Et là, on va voir le super kick vengeance sur Tamina. Regarde-moi ça, boum! Et ensuite, on a enchaîné avec un spear qui a séché Tamina pour ce match. En même temps, elle venait de subir une natural selection. Donc, évidemment, c'est terminé. Et le tombé 1, 2 et 3 victoires de Charlotte qui confirme son statut de championne avec Becky Lynch et va affronter ce soir Sasha Banks que j'aurais dû mettre en manager. C'est pas grave. Et on va passer pour le main event qui définira le tout dernier Beat the Clock Challenge match pour ce Royal Rumble ce dimanche. On va savoir ce soir qui va réellement affronter Seth Rollins. Est-ce que ce sera Bray Wyatt ou est-ce que ce sera un des deux participants à suivre? Et ben on va le savoir tout de suite, c'est parti. Et regardez cet affrontement de main event de légende Chris Jericho face à Dean Ambrose dans un Beat the Clock Challenge match pour savoir si l'un d'entre eux va battre le record de 9 minutes 21 de Bray Wyatt. On accueille le premier, bien évidemment. He is the Ayatollah Rock and Roll at the King of Bling Bling Y2J, Chris Jericho. Voilà, il arrive. Les lumières s'éteignent, c'est que Y2J arrive. Avec tous les Jerichoholics dans le public, évidemment. Lui qui a fait son retour la première semaine de janvier face... Un autre retour, John Cena, très très beau match hein, en main event de Raw, c'était excellent, il a montré qu'il était encore au haut niveau, même si John Cena a été le vainqueur, c'était après 4 attitude adjustments je crois, Jericho a montré tout son potentiel qui était excellent et toujours présent du coup, et ce soir il affronte Dean Ambrose, un style très particulier, hein, la personne de Dean Ambrose car il est complètement imprévisible, donc c'est le problème de ce genre d'adversaire qui est difficile à cerner en fait, en quelque sorte, mais Chris Jericho, pardon, a l'expérience, la grande expérience et les connaissances in-ring, donc ça risque de donner un beau combat. Maintenant, ça va être difficile hein, que ce soit pour Chris Jericho ou pour Dean Ambrose de battre l'autre en si peu de temps, en 9 minutes 21. En tout cas, on attend de voir, hein. Qui sait, on ne sait jamais. Chris Jericho est arrivé, maintenant, on attend l'arrivée du deuxième. Qui nous vient dit tout direct de Ambrose Asylum, The Lunatic Fringe, The Unstable Dean Ambrose. Il est là. Il est là, attention. Imaginez un Chris Jericho Seth Rollins, ou un Dean Ambrose Seth Rollins, évidemment. Ça donne envie. Et même un Bray Wyatt Seth Rollins aussi. En tout cas, c'est maintenant qu'on va savoir. 9 minutes 21 pour connaître qui ira face à Seth Rollins. 9 minutes 21 exactement, vous le saurez.
Et ça, ça fait plaisir. Et on vient de voir en arrière-plan, justement, Ambrose face à Rollins. Est-ce que c'est un signe? C'est la question. On va le savoir tout de suite. Jericho est prêt. Il bouillonne, tout comme Dean Ambrose. Tout ça pour le titre de la WWE bientôt. 9 minutes 21, c'est parti. Attention, Ambrose, qui envoie Chris Jericho à l'extérieur du ring. Directement, quoi. Même pas de coup de pied. Il n'y a même pas de tour de chauffe, là. Coup de pied, Dean Ambrose, il sait ce qu'il faut faire. Il faut qu'il bourre Chris Jericho directement. Coup de pied, regardez, Dean Ambrose, Atemi, des droites. Dean Ambrose, il est excité. Attention, le Russian Leg Sweep à l'extérieur du ring. Il en faudra plus que ça. Coup de pied, c'est pour Chris Jericho, mais on sait que, déjà, Dean Ambrose a compris le concept. Faut pas perdre du temps. Pas perdre du temps. Bon, attention. Ouh, la Temi. Et Y2J. Y2J qui continue à son tour. Et le dropkick qui a complètement été esquivé. Dean Ambrose revient dans le ring. Évidemment, faudrait pas se faire compter à l'extérieur ensemble. On est à 7. Y2J qui revient dans le ring. Attention les deux hommes. Y2J, le petit paquet sur Dean Ambrose. Et le tombé 1, 2. Ça ne suffira pas. Chris Jericho, pied sur la face, et encore. Jericho qui a sur la troisième corde alors que Dean Ambrose vient directement de se relever. C'est trop tard, Atemi. Attention, Dean Ambrose, il est clairement là ce soir. Là, on ne comprend plus rien. Dean Ambrose qui monte sur la troisième corde avec Chris... Attention, Dean Ambrose, il est prêt. La super butterfly suplex du haut de la troisième corde. Jericho, je crois qu'il a compris, là. Je crois qu'il a compris à qui s'attaquer. On est passé sous la barre des 8 minutes déjà. Et on frotte le visage de Jericho au sol, descend du coude. Jericho qui souffre beaucoup. On relève justement ce dernier. Oh, la droite s'est esquivée. La droite sur Dean Ambrose. Attention, on met Ambrose contre la deuxième corde. Jericho qui prend l'élan. Et regardez-moi ça, il saute directement. On envoie Dean Ambrose encore une fois. On saute par-dessus. Ouf, coude. Et le tombé sur Dean Ambrose. Le tombé 1, et non. Pas du tout. Et il faut se dépêcher. Coude. Oh, le coup de pied. Attention, Dean Ambrose n'a rien senti. Dean Ambrose n'a rien senti. Il est fou ce Dean Ambrose. Running Bulldog à l'approche des 7 minutes. Ah, le tombé encore une fois sur. Enfin, encore une fois, non, là c'est à l'inverse. Chris Jericho qui se relève presque aussitôt. Le titre de la WWE. Et juste après ce match, ils le savent, c'est du superstar, ils le savent. Ils peuvent affronter Seth Rollins juste après. Attention, on relève Chris Jericho. On envoie Jericho dans le coin. Oui, c'est ça. Contre le coin. Attention. Qu'est-ce qu'il fait Dean Ambrose? Tornado DDT. Il est fou ce Dean Ambrose. Il est fou. Ambrose qui va monter sur cette troisième corde. On le connaît, il s'arrête devant rien, alors que Chris Jericho est toujours au sol. Ça y est, il se lève. La droite sur Jericho. Et le DDT, oh, Jericho complètement sonné. Hein. Là, c'est autre chose. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Attention. Droite sur Ambrose. Encore une droite. Atemi, pardon. Et on envoie Dean Ambrose dans le coin. Jericho. Droite, encore une fois. On envoie Dean Ambrose. Ouais, attention de l'autre côté. Springboard Dropkick. Ouais, Chris Jericho qui devient un petit peu fou lui aussi en affrontant Dean Ambrose. Attention Jericho. Dropkick qui n'a pas touché. Mais alors pas du tout. On est à 5 minutes presque 30. Ou des droites. Regardez les droites qu'il donne. Ouf. Chacun son tour. Et on envoie Dean Ambrose dans le ring. La droite qui touche. Attention, Chris Jericho qui va monter sur cette troisième corde alors que Dean Ambrose se relève avec l'aide justement des cordes. Attention, le crossbody qui est bien passé. Et le tombé sur Dean Ambrose, le tombé 1, 2, une possibilité de vengeance hein, pour Dean Ambrose face à cette coup de pied qui pique tellement. Coup de pied qui pique tellement. Attention, Dean Ambrose qui a complètement contré Chris Jericho et la droite. La droite sur Jericho. Et le DDT encore une fois. Possibilité de vengeance, oui, je voulais dire. Pour Dean Ambrose, évidemment. Ouais, coup de pied de Dean Ambrose. Attention, il continue. Et coup de pied sur le buste. Et on relève. On relève Y2J.
Attention, Y2J qui a complètement esquivé Dean Ambrose. Chris Jericho, la suplex. C'est passé. C'est passé pour Jericho. Et Jericho qui fait un petit peu le show là. Alors que Dean Ambrose se relève. Chris Jericho s'attaque à la jambe. Ouh! De Dean Ambrose. On ramène Dean Ambrose plus vers le centre du ring. Jericho, il était parti pour le Lion Salt, mais il s'est fait contrer. Le Jawbreaker, il a même pas pu partir en fait. Il a même pas pu partir, c'est clairement ça. On est à 4 minutes, alors que Dean Ambrose envoie Chris Jericho à l'extérieur du ring. Attention, attention, Dean Ambrose, regardez, il regarde une fois, il regarde deux fois. On prend de l'élan dans les corps, le top est suicidant. Oh, il a rebondi contre la barricade. Ah là, les deux hommes sont complètement presque détruits là. Il reste 3 minutes 30, il va falloir se dépêcher mes amis. 3 minutes 30, qui ira affronter Seth Rollins? Et la droite sur Dean Ambrose qui renvoie justement Chris Jericho dans le ring coup de coude. Attention, Jericho qui se relève, énervé. Attention, coup de coude. Et on relève. On relève Dean Ambrose. Coup la corde à linge sur Dean Ambrose. Encore un coup la corde à linge. Attention, c'est esquivé. Tireur wheel. Backbacker sur notre ami Dylan Enick Fringe. Oh, il est encore parti pour le Lion Salt qui ne passe pas encore une fois. Dean Ambrose. Que fait Dean Ambrose? Il envoie Chris ce match tellement toujours de l'action. Attention, Jericho, coup d'avant-bras, Dean Ambrose dans les cordes, coup de la corde sur Y2J, Chris Jericho. Allez, Jericho qui se relève de tout ça, on est à 2 minutes 39, la tension devient de plus en plus grande. Alors que Chris Jericho, coup de pied, spinning kick qui n'a pas touché du tout. Attention, Dean Ambrose, coude qui fait saigner Chris Jericho. Oh, attention, Chris Jericho qui saigne en plus. Si le Dolly Deeds passe, je pense que c'est terminé. Attention, Dean Ambrose, Dolly Deeds sur Y2J, Chris Jericho. Et le tombé, 1, 2, et non, Chris Jericho qui s'en est relevé, il reste 2 minutes. Exactement à ce match. Attention, Y2J, le spinning neckbreaker. Oh là 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 là, ce match. Attention, Lion Salt. Lion Salt sur Dean Ambrose. Et on relève Dylan Enick Fringe. Que fait Jericho? Codebreaker qui n'est pas passé. Coup la corde à linge. Celui-là, il est passé. You son of a bitch. 1 minute 30 pour les deux hommes. Attention. Dean Ambrose. Coup la corde à linge. Mais il esquive tout, hein, Dean Ambrose. Coup la corde à linge encore. Il esquive trois fois le Lion Salt. Power Slam de la part de Dean Ambrose. Le tombé. Attention, le tombé. Le tombé sur Jericho. Le tombé 1. 2, non. Oh, Jericho qui se relève. Ah là 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 là, ce match, il reste presque une minute, presque une seule minute entre les deux hommes. Droite qui n'a pas touché du tout. Attention, Dean Ambrose qui va monter sur cette troisième corde. Il n'aurait pas dû. Jericho qui va en profiter. Jericho, stop rope, Rock'n'Rana. Top rope, Rock'n'Rana. Il reste 40 secondes et le tombé. 1, 2, ouais. Dean Ambrose qui s'en relève, mais c'est pas possible. Jericho est debout. Attention, Dean Ambrose est debout lui aussi. Dean Ambrose, ouf, coup de tête. On met Jericho au sol. Et le coup de coude. Coup de coude. Que fait Dean Ambrose? 17 secondes. Allez, 17 secondes, hein, ça devient difficile. Il reste 10 secondes. Ah, l'IA qui fait nappe. Oh, attention. Qu'est-ce qu'il fait, Dean Ambrose? Que fait Dean Ambrose? Ça va être trop tard. Il reste 3 secondes. Dean Ambrose qui veut employer le... Attention, il est parti, le Dolly Deeds. Dolly Deeds, le deuxième. Sur quoi? Le sang de Chris Jericho qui... Là, je pense que c'est terminé. Le chrono est terminé. Le tombé 1. Oh, et Chris Jericho qui se relève de ce Dolly Deeds. C'est Chris Jericho. C'est pas n'importe qui. Ce sera Bray Wyatt face à Seth Rollins.
Oh, Dean Ambrose qui veut en mettre un troisième sur Chris Jericho. Oh, attention, Jericho qui a complètement esquivé là. Jericho qui a complètement esquivé. The Walls, The Walls, The Walls of Jericho. Ah, ce match, mon dieu, ce match. The Walls of Jericho, et je le redis, ce sera Seth Rollins face à Bray Wyatt au Royal Rumble. Oh là là là, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, mais par contre, Chris Jericho veut en terminer probablement avec le Codebreaker. Codebreaker sur Dean Ambrose. Et là, je pense que c'est terminé. Regardez le sang qui afflue, tombé un de Dean Ambrose, mais qui se relève. Mais qu'est-ce que c'est que ce match 5 étoiles qu'on voit ici? Il n'y a plus de chrono, mais il y a encore. Regardez la tête de Chris Jericho complètement ensanglanté. Ce match. Oui, Seth Rollins face à Bray Wyatt. Oh, la droite, c'est contré par Dean Ambrose. Ce match donne tellement envie. Deux dans les 10 ne sont pas venus à bout de Chris Jericho. Le Swinging Neck Breaker. Oh, il est tombé sur Chris Jericho. Il est tombé 1, 2. Bah, il s'en est relevé. Vous avez vu que la tension quand j'essaie de me relever. C'est pas évident, c'est les derniers tombés. Dean Ambrose. Attention et coup de tête. Ah, les deux hommes sont ensanglantés, mais les deux hommes pardon, continuent. Hein. Même s'ils n'ont pas réussi à terminer ce match, continue, je l'avais dit que ça allait être difficile entre les deux. Attention, oh, magnifique drop the hold de Chris Jericho. Coup de pied qui n'a pas touché. Dropkick. Le dropkick. Chris Jericho qui relève. Dean Ambrose et qui enchaîne encore avec une souplex. Oh, ce match. Non, mais ce match, quoi. Je suis désolé, mais j'adore ce genre de match. Et on saute directement sur... sur Dean Ambrose. On amène Dean Ambrose côté de... Attention, Lion Salt! Et le tombé sur Dean Ambrose, le tombé 1, 2... Non, ça ne finira pas comme ça, certainement pas. Chris Jericho veut punir Dean Ambrose. Et on met Ambrose sur... Enfin, dans le coin. Jericho, regardez les deux hommes. Jericho veut donner une leçon, je pense, à Dean Ambrose. Car oui, j'ai arrêté le deux comptes exprès. Dean Ambrose qui est sur le haut du coin. Oh, d'accord, il a sauté. Je voulais surtout le mettre sur la troisième corde. Ça, c'était le but à la base. Encore une souplex. Encore souplex. Plus un brainbuster d'ailleurs. Avec Jericho, il est là. Il est clairement là. On relève. Encore une fois, on remet Dean Ambrose dans le coin. Oh, et Dean Ambrose qui est ensanglanté aussi. Hein. Je sais pas si je l'ai dit. Sur la troisième corde. Atemi sur Dean Ambrose. Atemi en quoi? Attention, Dean Ambrose sur la troisième corde. Dean Ambrose descend du coude. Je voulais faire le Codebreaker, mais c'est pas passé. Oh, le coup de pied dans la face. On relève, justement, Jericho. Attention, Dean Ambrose. Oh non, il va recommencer. Dean Ambrose. Ouais, non, c'est contré. Dean Ambrose dans les cordes. La corde à linge. Chris Jericho n'aurait peut-être pas dû retirer le... Oh, il s'est relevé de ça. Retirer le Lion Salt. En tout cas, les deux hommes sont presque détruits. Oh, attention, oh, je crois que c'était le Codebreaker Spinning Heel Kick. Spinning Heel Kick. Jericho. Le Lion Salt. Lion Salt. Qui pique un peu. Il faut avouer. Attention, les deux hommes se relèvent. Oh, j'étais parti pour le Codebreaker, mais c'est pas passé. Jericho dans le coin. Mais ce match, ce main event de Raw, quoi. Et oh là là, ce match. Et on va mettre Jericho sur cette troisième corde du côté de Dean Ambrose. Oh, Dean, j'ai même pas réussi à contrer ça. Bray Wyatt, Seth Rollins, je le répète. Attention, Dean Ambrose, encore une fois, comme en début de match. Comme lorsqu'il a voulu rusher la super Butterfly Suplex. Chris Jericho au sol. Que fait Dean Ambrose? Dean Ambrose qui monte
va de l'autre côté. Attention, Dean Ambrose sur la troisième corde. Dean Ambrose sur la troisième corde, n'est-ce pas? Attention. Ouf. Droite. Ah, c'est esquivé. Oh, attention, qu'est-ce qu'il fait? Christian Rico, Johnny Deeds, Johnny Deeds sur notre ami Dean Ambrose. Devons, Devons, c'est esquivé. Mais c'est quoi ce match? Qu'est-ce que c'est que ce match? Qu'est-ce que c'est que ces notes? Bordel de merde. Ce match. Dean Ambrose. Et il avait enchaîné un Johnny Deeds. Et regardez la tête de Dean Ambrose ensanglantée, tout comme celle de Chris Jericho. Mais quel match? Quel match? Il voulait enchaîner avec de Lion Tamer, The Walls of Jericho, mais ça n'a pas suffi. On met Chris Jericho dans le coin. Attention, coup de pied et coup de coude. Oh, les deux hommes qui se battent comme ils peuvent là. Que fait Dean Ambrose? On ne sait pas. Ah si, on sait. Coup de pied. Qu'est-ce qu'il fait? Attention. Coup de coude sur le genou de Chris Jericho. Mais non, mais ce match est clairement le match du mois, je pense. Même si le Itami... Merde, je n'ai pas touché. Attention. Michino Ku Driver. Et là, c'est peut-être terminé pour Chris Jericho. 1, 2... Oh, il s'en est relevé, c'est pas possible. Ah, oh, ce match. That match, quoi. Oh là là, attention, droite. Et on envoie Dean Ambrose à l'extérieur du ring. Alors que Chris Jericho monte sur cette troisième corde, Dean Ambrose est encore au sol. Descente du coude à l'extérieur. Phew. On est... Ah non, mais là, j'ai presque plus d'énergie, quoi. On remet Ambrose dans le ring. Chris Jericho face à Dean Ambrose. Ce face-à-face, ce show-stealer. Clairement. Attention, attention. Oh, le coup de genou qui fait chuter Chris Jericho. Attention, attention, Dean Ambrose qui est prêt pour un troisième. Dirty Deeds sur Chris Jericho. Ouais, il est passé en plus, j'ai pas réussi à le contrer. Dirty Deeds sur Y2J Chris Jericho. Le tomber à 2 et 3 victoires du Lunatic Fringe Dean Ambrose. Mais quel combat, bordel de chiottes de merde. Excusez-moi, mais quand même, merde. En ce match, un beat the clock challenge comme ça, on en veut tous les jours. Ce match, c'est vrai que, bon, je vous l'avais dit, hein, les matchs épiques risquent d'être en grande augmentation. Et j'avais raison, et là le petit paquet qui aurait pu terminer le beat the clock assez rapidement. Mais que nenni. Que nenni. Droite sur Dean Ambrose. Sur Dean Ambrose au bord du ring. Là, je sais pas ce qui va se passer. Ça va être le. Non, ça va être quoi? Ça va être le coup de la corde à linge, le topé Swissler. Non, ouais, c'est le coup de la corde à linge. Il y en a eu deux comme ça. Regardez, c'est tellement puissant. Bam! Ça a failli battre Jericho par deux fois, mais Jericho s'en est relevé toujours. Regardez-moi ça, hop là. Et là, je pense qu'on va voir le troisième et dernier Dirty Deeds. Je voulais le contrer aussi, mais j'ai pas réussi. Je pense qu'il y a une petite part d'aléatoire peut-être aussi. Regardez le Dirty Deeds qui a détruit Chris Jericho. Dommage, il n'y a pas le sang non plus dans les ralentis, mais bon. Et le tombé à 2. Et 3 victoires de Dean Ambrose qui marque un gros point. Le sang continue de couler sur sa tête apparemment. Bravo Dean Ambrose, bravo Chris Jericho. Ce dimanche au Royal Rumble, il va falloir faire gaffe à Dean Ambrose. Il va falloir faire gaffe à Chris Jericho et faire gaffe à Bray Wyatt. Qui ira vers Seth Rollins. Donc là, gros match. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À NXT ou au Royal Rumble. Ou NXT TakeOver Arrival. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à vous, salut, j'espère que vous avez apprécié. Vous n'avez pas apprécié, vous n'avez rien à faire là à mon avis. Salut.